qui a la capacité de pouvoir miser sur d'énormes rotations. Et là aussi, la belle accélération de Govens pour ajouter 2 points. Ça se confirme. Nyx. Et ça passe là par contre. La réussite, elle est au rendez-vous sur cette tentative. C'est allé vite. Allez, nouvelle accélération. Ah, ça passe là, c'est très bien fait par Darin Govens. Ce genre de geste, on prend sans hésiter. Interception, et bien voilà, très bon début de troisième quart-temps pour Cholet. 10 secondes sur la possession, ils sont très loin les Choletais pour l'instant du cercle. Ils avancent, ils accélèrent. Petite feinte, et ça va passer quand même avec Anosi qui est le Nigérian. James Gist ou encore un Mathieu Strazel qui serait quasiment présent dans un 5 majeur dans quasiment toutes les équipes de Betclic Elite. Oh, le 3 points avec la faute. David Lighty, à perte de balle de Lighty. Interception. Oh, c'est bien pour s'enrouler dans la défense pour faire le tour. Et la caméra trompeuse de Govens. Allez, Govens qui va accélérer. Main gauche, ballon dans main gauche. Tir déclenché, main droite. Bon travail de Govens. Énorme contre aussi. Ensuite, plus discret, Costa Antetokounmpo et une prestation finalement à l'image de son expérience à l'ASVEL pour l'instant, capable d'éclairer. Probablement pour le mouvement, pour essayer de déclencher un 3 points. Ouais, c'est ça, 3 points. Ça avait été annoncé, ça passe. Ça a été annoncé, ça a été assumé. Offensif et la rage et la déception, et oui, parce que Cholet a un coup à jouer, peut-être à 3 points. Si ça passe, et ça passe, et ça passe pour les Choletais à 3 points. Qui temporise, 10 secondes sur la possession. Il va falloir s'appliquer, tous les ballons vont être déterminés. Oui, la place magnifique, c'est bien fait. Et dessous avec l'appui de la planche. Il a suivi intelligemment.